Bonjour à tous, bienvenue sur SimCity avec Aipierre et Bill. Yeah! Salut Bill! Yeah. Bah ça faisait trois petites semaines là, hein? Ça fait un bout de temps, bah, entre l'E3, t'as fait un autre voyage, il me semble, les États-Unis pour moi. Ouais, c'était un peu dur de se croiser, ouais, parce que de temps en temps j'appelais Bill, on se fait à SimCity, il était sur son jet ski et tout. C'est pas possible. C'est ça. Moi j'étais dans ma voilà, Ferrari, j'étais pas encore rentré chez moi et tout. Donc... S'il y a bien quelque chose, enfin une chose qu'Aipierre a appris des États-Unis, c'est qu'on fait tout sur un jet ski. Voilà, tout est possible, mais sur un jet ski. Voilà, tout à l'heure d'ailleurs je suis allé chez le coiffeur sur un jet ski. C'était pas pratique parce qu'il était sur un autre jet ski et on devait avoir la même vitesse, mais bon, on s'en sort. De toute façon, on est américain, on est trop fort quoi. Ah putain, c'est n'importe quoi. Il y a des. Non, putain. Bon, donc du coup, sur nos villes, la dernière fois on était parti dans des nouvelles villes. On avait fait le pari fou. Alors toi, ça avait marché un peu mieux parce que t'as fait une tour du pauvre, je la vois depuis chez moi. Ouais. D'ailleurs, je voulais faire un tour dans ta ville directement pour voir comment c'est. Et moi par contre ça allait pas très bien parce que j'avais fait une tour riche qui m'a coûté du genre 200 000 et qui était pas rentable. Mais elle commence à être un peu rentable. Mais c'est pas une bonne idée de ouais. commencer par des tours, je pense pas. Bah écoute, moi j'en suis à grosso modo 50 000 par jour. Ah ouais, oui, toi tu l'as rempli. Enfin, ça peut valoir le coup de commencer par une tour pauvre, effectivement. Ouais. Mais une tour riche c'est beaucoup plus compliqué ouais, quand même. Une tour riche c'est un peu compliqué. Toi tu l'as construit en entier. Ah, t'as des puits de pétrole et tout, ouais, t'as décidé de faire un peu plus minier. En fait, j'ai envie de faire... Tu sais, j'avais essayé de faire l'Omegaco au début. Ah, exact. La dernière, et j'avais pas réussi parce qu'il fallait que j'importe trop de trucs. Là, j'ai plus besoin d'importer. Et du coup, ça peut valoir le coup, ça peut se goupiller, quoi. Ok. Là, je peux déjà mettre mon siège de pétrole. Ouais, je vois ça. Bah ouais, ça a l'air pas mal. Moi, je suis reparti sur une ville riche comme d'hab, et je pense que je ferai une ville très pauvre la prochaine fois, mais vraiment très très une pauvre. Une ville riche pour être à ton image, c'est ça? Ouais, un petit peu, voilà. et, n'importe quoi. Non, je voulais repartir sur une ville riche, mais surtout sur des casinos, des trucs comme ça. Un peu oui. plus touristique, on va dire. Donc pour amener les touristes, il faut donner une image un peu riche, donc c'est pour ça. Donc du coup, on va détruire un peu ça, et il manquait un truc... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils me disent super support surpopulation? Ils m'ont dit, ils ont peut-être pas assez. Ouais, ah, j'ai un malfrat en liberté. Le problème, c'est que mon centre de police est pas du tout au bon endroit. Donc, dès qu'on aura du pognon, je l'excentrerai un peu. Donc, ce que je voulais faire. Un petit tchou-tchou, et comme les Allemands ont gagné, on va leur mettre une belle gare. Ah, ouais. Alors j'ai pas du tout regardé la finale. D'habitude je regarde souvent genre au moins la finale des Coupes du Monde et là j'ai pas eu l'occasion, je sais pas si t'as regardé toi. Bah j'étais en train de faire un live FTP et je pense que j'étais pas le seul à être un petit peu moins intéressé vu le monde qu'il y avait. Mais oui je l'ai regardé du coin de l'œil en fait. D'accord. Non nous on était sur nos jet skis. Et au bout d'un moment, quelqu'un a fait « Hey, mais il n'y avait pas la finale aujourd'hui ?» Ah ouais. Donc tout le monde sort son portable pour regarder qui a gagné. Ok. Ouais, la finale apparemment était moins... Elle était sympa, mais... Ça valait pas un Allemagne-Brésil, quoi. Voilà. Par contre, Allemagne-Brésil, j'étais sur FTP et je me le suis mis à côté. Et c'était du genre en mode « Mais what the fuck, quoi ?» 1-0, 2-0, oui, 3-0, 3-0. Je l'ai pas du tout regardé, mais apparemment il y a eu 3 buts en genre 4 minutes à un moment. Ouais, bah moi je l'ai commencé de genre à la 10ème minute, il y a eu un but juste après, et après il y a eu 4 buts en 5 minutes. Et à la 30ème minute, il y avait 5-0. Bon non mais c'est une horreur. Et sinon, donc on a eu une petite pensée pour Souls. Voilà, alors moi j'ai des cool. amis brésiliens en plus. Oh les pauvres. J'ai des touristes qui viennent, du coup, ça va devrait remplir un petit peu mon casino. On va voir ça. Pour ce qui est du bureau, ouais, ça va, ça se remplit petit à petit. On voit que je commence à avoir quelques petits buildings, là. Alors là, par exemple, vous voyez, mes deux routes sont trop proches. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à avoir l'œil pour, il faudrait que je regarde, mais tu sais, espacer correctement les routes pour maximiser l'espace. Bah, ça te le met normalement, t'as des repères. Hein. Bon, après, ça marche pas avec les bâtiments particuliers, genre les sièges et trucs comme ça, mais normalement, pour les tours et les choses comme ça, ça bon. Marche bien. Ok, ouais, j'essaierai. Ouais. Là, le problème aussi, c'est que j'ai un.
Enfin, une forme de terrain qui est particulière. C'est la première fois que je fais un terrain un peu complexe comme ça, tu sais. J'ai une grande colline qui traverse tout le milieu de la ville. Et du coup, ça me coupe un peu la ville en deux, c'est pas... Alors, moi, ah bah écoutez, 150 touristes dans l'établissement, on va l'agrandir. Moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai plein d'Omegaco, tout le monde est dépendant, mais j'arrive pas à livrer assez vite apparemment. Ah... Là, en, rien qu'en niveau de franchise... Ah ouais, tu vois, je suis qu'à 3000 alors qu'avant j'étais à 7000 parce qu'ils arrivent pas à livrer. Un petit peu embêtant quand même. Donc je vais laisser couler pour l'instant, mais... Oh, nice. On va mettre une enseigne de casino. Je connais pas du tout, hein, je suis en train de regarder. Ah, on va détruire les petites habitations à côté de chez nous, ils vont être un peu mad. C'est pas grave. Je pense que je vais mettre un hôpital direct, moi. Je vais même pas passer par la case clinique, parce que bon... Là, je pense que j'aurai une très très grosse ville. Ah mince, je l'ai pas mis au bon endroit, ça. On va la casser. Mais ça, il faut absolument que je la mette. Ah, les maisons ici, regardez, ce sont pas bien construites. Donc normalement, si on la met ici, elle devrait avoir... Ah, ici j'en casse deux, ici j'en casse une. Elle devrait avoir la place de reconstruire une maison à côté. On va la mettre là. Hop, ok, bon alors comment ça se passe tout ça? Pas assez de boutique. Je me suis récemment mis à Cities XL, moi aussi. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ah, j'en ai entendu parler. Mais un truc que j'aimerais bien, parce que j'y ai jamais joué, et j'en ai entendu aussi beaucoup de bien, c'est SimCity 4. Ah bah oui. Ah, t'es sérieux? T'as jamais joué à SimCity 4? Bah écoute, quand on aura marre de SimCity 5... Ah, t'es pas un vrai... Bah moi non, moi j'ai joué à SimCity 2000 pendant des années et des années et des années. Ouais, bon d'accord, SimCity 2000 était bien aussi. Bah écoute, quand on aura fait le tour de SimCity 5... éventuellement partir sur SimCity 4. Et alors City XL, ah, pourquoi pas. Il est alors je suis qu'au début, mais il est beaucoup plus complexe dans le bon sens du terme. Et c'est beaucoup, c'est un petit peu plus général quoi. Tu te soucies pas toujours autant de chaque bâtiment un par un. C'est un peu plus des zones, mais t'as beaucoup plus de trucs à gérer. T'as tous les différents types de transport, t'as des cartes, il faut que tu gères chaque ligne de métro. Moi, pour l'instant, je m'éclate vraiment et j'ai plusieurs idées de séries que j'ai envie de faire avec. Ok, ouais, c'est ce que j'avais entendu parler, c'est que c'est vraiment voilà, de la gestion plus par... par zone. Ouais. Bon, alors au niveau de la police... Ok, les cellules de prison sont pleines. J'ai pas assez de thunes, donc on va attendre, on va accélérer ici. Avec 15 000, on va faire un petit emprunt. Bon, moi, en police, ça se débrouille, enfin, ça se passe vachement bien, ce qui est très étonnant vu que j'ai une ville globalement assez pauvre. Bah, le truc, c'est que j'ai un... C'était ça, hein, cellule dernier étage, oui. Le truc, c'est que j'ai mon casino qui engendre du crime, hein, forcément. Ouais. Ça va avec. Alors, ceci dit, mon casino me rapporte 10 000 par jour. Il est quasiment plein. Les bureaux, eux, rapportent 40 000 par jour. C'est mes deux seules sources de revenus, on va dire. Hop. Qu'est-ce qui est demandé ? Je vais mettre un assainisseur d'eau usée, moi. Richesse du terrain par ici. Ouais, j'ai plus de demandes résidentielles de riches. Donc on va faire... Petit parc. Ouais, petit parc par ici, ça me paraît bien. Voilà. Les riches vont arriver. Oui, au niveau de l'eau, moi la centrale électrique, moi j'ai une centrale qui pollue, mais c'est pas grave, ça fournit assez. Je compte pas faire en fait une très grosse ville, je veux surtout réussir à faire une ville bien rentable. Alors moi j'hésite, je pense que je vais commencer à mettre
Putain, ça me saoule. J'ai envie de mettre plus de trucs qui produisent du contrôle net, mais ça marche pas avec ce type de ville, quoi. Enfin, pas vraiment. Et du coup, genre la centrale à fusion, j'aimerais bien me la faire, mais c'est pas forcément une super bonne idée, quoi. Oula, pourquoi je suis en rouge partout? Ah, j'ai pas assez de contrôle net. Ah bah justement, nickel. Ah ça, quand t'as les deux à contrôler, Omega Co plus contrôle net. Ouais, c'est ça. Bah, c'est. Bah, alors pourtant, j'en ai une d'académie, hein. Mais. Oh nice, on est déjà en... Ici en... Ah non, c'est en valeur du terrain riche. La densité augmente petit à petit par chez moi, et du coup, je me retrouve en négatif. C'est pas bon. Ah, je sais pourquoi je produis pas beaucoup de contrôle net. Mon académie a quasiment aucun employé riche. Parce que globalement, Ah, je n'ai aucune zone chiant riche, hein. ça. Ouais, ça. Non, mais ça. Mais tu sais que moi j'ai beaucoup de zones riches, hein, et Ah oui? j'ai quand même très peu de population riche, hein. Je crois que. Ouais. J'ai que 29 employés riches. Et, alors que quand je regarde mes zones de population, je veux dire, quand on regarde la zone de richesse, des zones riches, il y a ça partout, quoi. Moi j'en ai quelques-unes, mais sans plus. Bon, du coup, on va augmenter un petit peu la richesse par ici. Hop, nickel. Ok, donc moi j'avais envie de remettre des puits de pétrole et des choses comme ça. Voilà, ils veulent des zones riches. On fait des zones riches. Que des riches chez moi. Bon, moi je vais être obligé de détruire des routes. Oh, putain, oh, ça va faire trop mal. Alors, Eh j'ai ouais, il fallait 62 000 prévoir tout ça. habitants. Allez, je vais détruire tout ça. Ah, par contre, je Je vais arrêter de peux... rigoler un peu. Merde. Ah, est-ce que je peux... Oh. Oh, j'ai perdu que... Ah ouais, non. 6 000 habitants, ouais. Un petit peu mal quand même, hein. Dans l'idéal, il faudrait que je la mette là, cette station de pompage, mais... Je peux rien construire d'autre après. Et pour l'instant, on va faire des petites. On va la mettre ici. Voilà, comme ça on est tranquille. Je suis repassé en positif. Ah, je commence à avoir des bâtiments. C'est des entreprises par ici. Ah oui, j'ai mis une zone commerciale. Ah, en route, tout le monde. C'est mon train qui fait beaucoup de voyages. Ouais, je commence à avoir des grosses résidences riches, plutôt bien. Putain, ok, il y a un mec qui atterrit chez lui avec un hélicoptère, quoi. Ah bah non, c'est juste qu'il y a un incendie. Bon, j'ai toujours une demande élevée de riches, mais regardez, les riches, ils sont là, hein. Bon, il n'y a pas assez de riches, ceci dit. Bon, moi je vais avoir un problème de stockage de pétrole, je pense. Je vais juste de mettre un deuxième méga puits. Ah bah d'ailleurs je suis en négatif. Ah mais non! Faut pas, au bout d'un moment, je sais pas ce que si tu t'en es rendu compte, toi aussi, mais au bout d'un moment il faut plus faire confiance aux chiffres. Parce que genre moi quand j'exporte du pétrole, ça rentre pas en compte de. C'est juste que Ah régulièrement. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu Faut vois, faire moi gaffe à ça. je suis à moins de 2 000 par heure, mais j'ai 65 000 en transactions mensuelles. Ouais, parce que voilà, c'est pas compté dans les revenus, recettes, machin, voilà, ils sont pas comptés dans les transactions récentes. C'est ça. Bon, bah ça continue tranquille, mon casino, qu'est-ce que ça donne? Oh, je commence à augmenter mon profil. Aujourd'hui, ah, je suis à 18 000 de profit. Bien, bon, ceci dit, il est pas. Ah, il est en train de se remplir. Hop, mine de minerai. Putain, j'en ai pas énormément du minerai quand même, hein. J'espère que ça va pas être un souci. Incendie hors de contrôle, blablabla. Ok, l'éducation c'est bon, pour l'instant il y a la place, un peu juste, mais... Je veux pas faire un étage d'appartement dans ma méga tour parce que ça coûte cher en fait. Je préfère faire que des Ah étages de ouais, mais bureaux. bon. Non mais surtout ça coûte plus cher que ça ne rapporte, faut faire que des bureaux en fait.
Ouais, mais après, t'as pas nécessairement assez de personnes pour les remplir si tu mets pas de... Ouais, je sais, mais j'attends que les densités augmentent, elles commencent à augmenter petit à petit. Ça prend un peu de temps, mais ça augmente. Hop. Allez, moi je maximise tout. Hop, un entrepôt commercial dans les environs. Ah tiens, c'est con cette route, je l'ai construite de telle sorte que... Ah, j'ai pas envie d'écraser, mais j'ai quand même des trucs super riches, j'ai pas trop envie de m'en débarrasser. Ouais, bah oui, je sais qu'il y a des postes très riches non occupés, mais qu'est-ce que je te dise, mec? Pourtant, j'en ai des riches hein, dans ma ville. Effectivement. Ah ouais, il y a masse de... Il y a masse de postes vacants. J'ai très peu d'employés en fait. Ah, ok, mes consommateurs, j'en ai aucun de satisfait. What? Élèves étudiants, total 630, inscrits 721. Et j'ai moins 91 de noms d'inscrits. C'est bien les gars. Vous savez compter. Ah, ils sont moins heureux que dans mon autre ville, hein, où j'étais à genre 90%, là je suis à 71. Mais en fait, j'ai des consommateurs insatisfaits, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi vous êtes pas contents, les mecs? Je pige pas. Mes deux Ah, je zones suis commerciales. trop... Ah, il n'y a pas de commerce pour les pauvres, c'est ça le problème. Je comprends. Eh ben suis trop en dash de contrôle net, moi, par contre. on va en faire ici. Alors oui, j'ai aucune zone industrielle dans ma ville. Hein. Ouais? Ouais. Je suis parti du principe que les gens ne travailleraient pas dans les usines. J'ai pas énormément d'habitants, mais ça se développe petit à petit. Mon casino a rapporté 21 000 hier. C'est bien, ça se Bah, développe. sympa. Moi, je me dis que... Ah, merde! Ah, les gens dans ma tour ne sont vraiment pas heureux, en fait. Je suis passé à moins 24 000, en fait. Ouf. Alors qu'elle me fait 45 000 de revenus ma tour. Ça y est, je commence à avoir des emplois très riches. Ça commence à venir petit à petit, ça se développe. Ah, non, mais ils ont besoin de plus de... Pas assez de contrôle net à... Nous avons besoin de travailler vite. Ah, mais d'accord, je comprends pas. En fait, j'ai des niveaux d'appartements pas riches, et ils trouvent pas de boulot, alors que Il y a plein de les postes bureaux vacants. pour... Ouais, mais pas pour leur niveau, pour les Ouais. moyens. Ah, ça, c'est chiant, ça. Combien c'est? Ouais. Niveau de bureau. Tech moyenne, c'est 138 000. Je vais peut-être faire un deuxième emprunt. Tu Moi, je me demande. Je pense qu'entre les, entre cet épisode et le prochain, je vais retourner dans mon ancienne ville pour me faire un petit prêt, enfin un petit don, parce Ben, que. figure-toi que je suis allé jeter un œil, mais elle me rapporte plus rien, mon ancienne ville, c'est trop le Ah bordel. ouais. Ah non, la mienne, elle me rapporte toujours des tonnes. Ah, il nous faudrait une ville vache à lait comme ça. C'est pour ça que je veux faire une ville de pauvres après. Ou plus on essaiera de faire péter la population. Faudra que je trouve une zone assez plate, quoi. Oui. Non, mais sinon, je suis à 5 500 habitants, quoi, tu vois. C'est une ville. Une petite ville. 5 500, t'as dit... Attends, quoi? Ouais. Oui? C'est sérieux? Ouais, j'ai Ah très peu d'habitants ouais! dans ma ville. Ah, parce que moi je me plaignais quand j'étais à... Enfin, quand je suis redescendu de 62 000, mais là je suis à 58 000 quand même. Ah, ouais. Ah, par contre, je m'apprête à... Voilà, cette ville est fauchée. T'as plus de sous. Non. Je prends une obligation. Ouais, faut juste que je fasse gaffe en fait, parce que je suis bon en vrai, vu que j'ai mes investissements, mais faut juste pas se faire avoir pile avant que les investissements rentrent. Et j'ai posé une usine de contrôle net, mais je sais pas. Ah, mais non, mais ça change rien en fait.
Non, non, je vais l'éteindre parce que du coup, elle demande les mêmes emplois que Oui, l'autre. elle Du n'arrive coup, pas à si l'autre il est pas produire. rempli, C'est ça le problème. Ah, ça y est, je commence à gagner des sous. Oui, il nous faut plus d'employés pour être rentable. Bah écoute, ça va arriver, ça va arriver. J'ai beaucoup d'employés de classe moyenne. Ça, par contre. Par contre, j'ai pas d'employés pauvres, mais normalement, je devrais en avoir. Tonnes de minerais bruts, je me rends pas compte ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup que je le casse pas? Là, j'ai mon pétrole qui est coincé. Effectivement. Ça va, elle rapporte ce tour. Et il me manque un petit. Ah, au niveau des. Ah oui, je commence à avoir une grosse demande résidentielle de pauvres. Donc on va faire. Oh, on peut faire un pont. Nice. Je sais pas quoi faire sans ce contrôle net, moi. C'est une horreur. Oh, dommage, je peux pas passer ici. Je serais bien passé. Attendez, comment? Non, c'est pas ça. Voilà. Voyons voir si on peut construire une magnifique route par ici. Ah, yes! J'ai réussi à construire un super pont, je suis content. On construira ça après. Bon, moi j'ai un problème, j'ai 10 bâtiments abandonnés là. Ça fait beaucoup quand même. Incendie hors de contrôle. Génial. Ouais, je pense que ma prochaine ville, je changerai du tout au tout. J'ai envie d'essayer une ville riche. C'est Mais là, sympa une j'ai ville fait. riche. Ouais, c'est ça, j'ai fait une ville qui était un peu milieu et celle-là qui est clairement pauvre. Et ça me réussit qu'à moitié. Putain, je suis en train de construire des trucs, c'est trop marrant. Attends, c'est chaud, j'ai des immenses. J'ai que des avenues dans ma ville. Je crois que j'ai pas une seule route et j'ai des embouteillages de partout. Effectivement, c'est chaud. Bon, les pauvres, ils habitent près de la décharge, c'est pas un Ah mais... problème. Je suis con, je peux les améliorer, mes routes. Ouais. Bah oui, surtout que si tu les as pas mis au dernier niveau. Non, je ne l'ai pas fait. Je vais les améliorer, justement. Bon, niveau coût, je suppose que ça va être une horreur, mais bon. Vas-y, j'améliore tout. Putain, j'ai plein de thunes. Wow, je gagne 6 000 par heure. What? Comment ça se fait que ça a augmenté aussi vite d'un coup? Alors, j'ai clairement un problème ici, donc on va venir. Non, ici on peut pas, mais par contre à partir d'ici on doit pouvoir. Ça désengorgera peut-être. De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai problème de bouchon. Oh, je Voilà. connais ça. Là, je me suis amusé sur une route. Enfin, tu verras si tu viens faire un tour chez moi, tu rigoleras au niveau des routes. J'ai fait Dommage. Bah. des ponts et tout, mais ils sont sympas les ponts. Ah, là, j'ai oublié d'améliorer la Bah, route. pas aussi sympa que mon pont de la première saison, je pense. Ah, qui tournait dans tous les sens. Ouais, mon pont rouge qui tournait dans tous les sens. Je m'étais trippé. Ah, le problème c'est les bouchons là en fait. Non mais par contre mon pognon a augmenté d'un coup, je vais regarder quelle en est la raison. Non c'est pas ça que je veux, je m'en fous de toi. Plus tard. Bon, bah j'ai amélioré toutes mes routes, Ah. ça va un peu mieux. Ouais ma tour qui rapporte. Oh le casino commence à rapporter masse. Ah. Je pense qu'il faut que je fasse un aéroport aussi. Si t'as un casino, ouais, c'est une bonne idée.
Tiens, d'ailleurs, on a toujours pas fait le grand projet. Hein. Ouais. Putain, je sais pas comment. Je sais pas. Ah, là, ok, ici on peut. Ok. Ok, je crois que j'ai amélioré toutes mes routes. J'ai compris comment ça marchait. Bon bah voilà, j'ai une ville qui tourne un petit peu mieux. Ah mais en plus ça devrait normalement désengorger l'Omegaco. Ah bah oui, direct ça remontait à 6000. Bon c'est cool ça. Pourquoi je suis monté à 4000 par heure moi? Ah bah l'Omegaco encore je pense. Ah non j'ai ma méga... Non Omegator elle perd toujours de l'argent. Ouais elle en perd bien. Je suis assez tenté de mettre une seconde Omegator à vrai dire. Que ça. Non, moi je gagne plein de thunes et je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Ah! Genre phare ici à placer. Oh, ils sont pas contents. Hein. Ouh! Ils kiffent pas le. L'aéroport. Hein. Ah, sérieux? Ouais, ça réduit un peu la valeur du terrain. Oh, ça va, la valeur du terrain est riche quand même. Petit bâtiment abandonné. Hop, ça y est, j'ai amélioré ma mairie, j'ai atteint les 75 000 habitants. Et wow, par contre, je suis à 8000 par heure, j'ai 242 là. Je sais pas trop. Ah, mais c'est l'Omegaco, hein, c'est un truc de malade. Depuis que j'ai amélioré les routes, là, il me rapporte, oui, il me rapporte 10 000 par jour. Non, par heure! Wow! Ok, donc j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de. Un petit peu plus d'addict à l'Omegaco. En fait, comment est-ce qu'on fait pour vraiment améliorer le contrôle net? Bonne question, je ne sais pas du tout. Il faut des employés fortunés, mais vous en avez plein des employés fortunés. Il y en a qu'un seul qui bosse et des mecs, des riches dans la ville, il y en a. Pop pop pop, 50. Oui, il y en a 54, c'est pas énorme, ok. Ah, il y a 1400 emplois pour 54 mecs. Ok. Ouais, ok, d'accord, message reçu. Comme une grosse demande de riches, on va faire un quartier riche par ici. Ah, j'ai une petite zone non utilisée, tu me diras, je peux en mettre des riches. On va faire un angle, ce sera plus joli. Ouais, moi j'ai fait que des lignes pour celle-là parce que je me suis dit, une ville pauvre, c'est que des lignes. Hop, et là par contre, on va mettre du parc. Ok, il faut que je mette des bureaux pauvres, moi. Deck peu élevé, parfait. Là, il m'en faut un de l'autre côté, un petit. Y a pas la place. Voilà. Oh, je vais mettre un truc de bateau, moi. Du coup, je sais pas si. Je crois que j'en ai jamais mis. Celui-là, voyons voir. Truc de bateau? Ouais. Hop, voilà. Et je vais mettre une seconde mégatoire. Ouais, c'est bon, ils sont relativement contents. Voilà! On a une zone ultra riche. Parfait. Bon, j'ai peut-être mis un peu loin de l'autre, mais bon, au pire, ça les fera. Ça leur fera les pieds. Bon, j'ai une demande résidentielle encore énormément riche. Donc, pareil. On peut peut-être augmenter la valeur.
Ah, je peux faire une fonderie maintenant. Je peux améliorer mon siège de métal. Peut être intéressant ça. Je fais que des parcs partout, je te jure. Voilà. On va être content, tant de richesses. Bon, ça Mais coûte c'est trop bien le mégaco, moi ça me je coûte suis vendu. 120 par heure. Ah ouais, sympa alors. Ah ouais, bah là je me fais 10 000 par heure grâce à ça. Ah oui, quand même. C'est ça. Bon, faut que j'augmente mon attrait touristique, mais bon, le casino rapporte masse. Les tours m'ont rapporté 65 000 hier. Elles se remplissent bien. Non, ça commence à avoir de la gueule. Vraiment, j'avais des problèmes de transport, je sais pas. Ah oui, temps moyen d'attente en avion, 1335 minutes, what? C'est peut-être un petit peu lent, oui. Mais je sais pas pourquoi il y a. Parce que j'ai très peu de touristes par jour, peut-être. Ah! Classe pleine, hein. Oui, en effet. Alors, allons rendre visite à la crête du chemin rocailleux. Eh, viens rigoler un peu. Je sais pas si ça sera totalement à jour ou pas. Ah oui, il me faut des. Alors, niveau crime et tout, tu t'en sors comment maintenant que t'as... Oh, mais c'est vachement sympa le long de la côte, là. T'as vu, hein? Je te dis, Très, c'est. très sympa. Côté touristique. Niveau crime, j'ai l'impression que ça va, il m'emmerde pas. J'ai un crime commis par jour, le casino, mais j'ai aucune autre zone en fait. Donc c'est relativement Putain, tu l'as calme. vachement bien aménagé, cette ville-là. Bah, les routes partent un peu dans tous les sens, ceci dit. Ouais, mais justement, c'est joli. Ah oui, alors là, pour le coup, j'ai essayé de faire quelque chose de propre qui descendait le long des pentes. Faire la Ouais. côte, tu vois, comme j'ai fait. J'ai fait toute la côte. J'aime beaucoup l'endroit où t'as un tunnel, un truc qui monte, un pont Oui, au-dessus. ah oui, alors là, c'est les raccords dans tous les sens. Je voulais aménager là-haut, enfin, je Ouais, voulais que mais ça tu tourne, vois, pour quoi. le coup, ça fait très réaliste. Parce que Ouais. dans la vraie vie, c'est toujours des trucs un peu bordéliques comme ça, mine de rien. Ouais. Mais j'aime beaucoup ta côte. Et ton casino, il est où? Il doit être dans Il au est niveau en de la bas. côte aussi. Ah oui, je le Ouais, vois. tu le Ah oui, vois. d'accord, c'est un mini. Oui, c'est le premier. C'est un petit pour l'instant parce que. Bah, si, normalement, je gagne assez pour me faire un centre casino maintenant. Ah non, non, on a prouvé. Alors, il faut que je gagne 52 000 en une journée. J'ai gagné 36 000 au max. Donc, il faudra que je refasse des Je éléments de crois que casino. t'en as besoin de deux en fait. Tu peux pas l'atteindre avec un seul, il me semble. Je dis peut-être des conneries. Hein, mais... Putain, j'ai une énorme demande résidentielle d'un coup. Bon, par contre, je sais pas comment ils font tes avions pour pas se crasher. Hein. Je sais pas que Oui. tu l'as mis à l'arrache ton aéroport, mais un peu quand même. Bah, c'est le seul endroit où je pouvais le mettre. J'arrivais pas à le mettre dans l'autre sens, il voulait pas. Ah oui, c'est vrai que quand je les vois décoller. Puis t'as vu comme elle est enfoncée la piste, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est n'importe quoi. Enfin, Bon. bon, bah on va peut-être se laisser là, nous. Ouais, bah, on a bien évolué. Je ferai un tour dans ta ville la prochaine fois. Comme Ouais. ça, aéroport international développé. What? Je dois pouvoir faire un aéroport international maintenant. Bref. Bah du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Bill. Yep, ça marche. Allez, à la prochaine. À toutes. Bye bye.